Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau stream sur Oulicube avec le micro, c'est mieux. Toujours ce problème de Windows qui nous change nos réglages, hein, c'est pénible. Et du coup, bah, à chaque fois que je change de setup sur OBS, il faut que je pense à le refaire. Et évidemment, je n'y pense pas puisque j'ai des tas d'autres trucs à faire avant. Mais bref. Du coup... Bonsoir à tous, salut Emrinves, salut Caradian, salut Loustation, salut LG63, bienvenue Baldery Day, salut à tous. Et bon, et ben ça fait extrêmement plaisir de se retrouver sur Oulicube, ça fait un petit moment malheureusement, ça fait trop longtemps même je dirais qu'on n'est pas venu, et ça me manquait. Le serveur me manquait, ce projet me manquait, et puis j'ai été voir un peu les constructions, hein. Je vous invite à aller voir les vidéos de Boîte à Meux et ses récaps, ses streams, parce que il a avancé, il a fait tout un quartier ici qui est magnifique. Roi aussi et Alpes sont bien avancés ici. Après, leur ambition de tout finir au mois d'avril, j'ai peur que ce soit un peu ambitieux quand même. Hein. Mais bon, c'est sûr qu'ils y passent beaucoup plus de temps que moi, donc ils vont faire beaucoup beaucoup plus de choses que moi d'ici la fin du mois d'avril, mais bon. Après, il faudrait que je voie avec Auré quand lui compte fermer le serveur, s'il compte le fermer un jour, parce que rien ne nous interdira à nous de continuer un petit peu, même si les autres arrêtent. Mais bon, c'est clair qu'après, bon, ça de... Voilà. Salut Charimarie, salut Brickman, salut Nico Cosmo, bonsoir à vous, installez-vous. Bon, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, avant qu'on commence à construire les arches, ah oui, je ne sais plus si je vous ai remontré, parce qu'on a fait une magnifique arche, là ça fait 2 semaines que j'ai pas posé mon regard dessus, et là en me connectant, je me dis, ah ouais, elle envoie du pâté, elle est bien, elle est très très bien, elle est très chouette. C'est quoi la tasse de ce soir? Une tasse classique en ce moment. Je la prends souvent en ce moment. C'est la tasse Bowser. Donc, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup l'arche qu'on avait fait la dernière fois. Donc, l'idée aujourd'hui, bah, c'est de la reproduire, si possible, plusieurs fois. Parce que normalement, ça devrait être plus rapide que le design initial qui était assez long à faire. Mais bon, on va voir. Par contre, on va manquer de matériaux. Je sais plus lesquels vont nous manquer, sauf que je suis sûr qu'on n'a plus ça. Donc faut qu'on aille chercher le bloc de Skulk. Donc on va aller dans l'End, faire un petit séjour dans l'End. Et puis après... peut-être la... Mais je pense qu'on en a de la profondoise. J'espère qu'on en a de la profondoise. Simple mais efficace. Ah bah je suis content que tu dis ça parce qu'en fait c'était tout sauf simple à faire. Mais quand quelque chose paraît simple... À la fin, en général, c'est plutôt bon signe, parce que quand quelque chose paraît compliqué, tarabiscoté, c'est pas très joli. Alors que là, si tu trouves que ça paraît simple, et ben je suis assez content du rendu, je le prends comme un compliment, parce que je peux te dire que ça, c'était pas simple à faire.
à designer là, cette espèce d'arche là, c'était vraiment pas simple. À tel point que je suis pas sûr qu'on essaye de le faire en diagonale. On va déjà le faire sans les diagonales, on va voir ce que ça donne. Et après seulement on verra si on essaie de le faire en diagonale, mais en diagonale, ça va être compliqué. En diagonale, là, pour le coup, on risque de tomber sur le travers du truc qui fait compliqué, complexe et qui est pas très joli. Bon, allons chercher un peu de skulk. Je sais plus ce qu'il faut pour les skulk. Il faut un catalyseur. On n'a pas besoin de hurleur. Hein. Il faut juste un catalyseur et puis tuer des Enderman. Hein. Et on récupère à la houe. Par contre, ce qu'on doit prendre... Ah oui, si, c'est ça. Ce qu'il nous faut, c'est des blocs. Bah genre, on va prendre des blocs de... Des blocs de terre, on en a. Voilà, on va prendre des... Ah oui, c'est vrai que j'ai plus mon mode. Ah, l'habitude. Ah, la tasse. Oui, c'est vrai, t'as raison, Charlie Barry. T'as raison. C'est très tarabiscoté, mon truc. Ouais. Oui, la statue, c'était prévu, les statues, mais c'était prévu de les faire par Davlek. Davlek ne jouant plus, voilà, je pense que pour l'instant, ce projet de statue, je vais le laisser de côté, mais on a encore plein de choses à faire sur le temple de l'eau. Quand on aura fini les arches, on aura fini, je pense, les grosses structures. Il nous reste le vitrail central à faire, qui sera pas mal important. Et après, on a de la déco à faire. Et j'aimerais bien faire la déco... J'aimerais bien faire une jolie déco pour vraiment mettre en valeur le bâtiment, quoi. Et après, il nous reste le bâtiment de liaison à faire entre la cité gothique et la cité volante, donc une sorte de débarcadère. J'ai pas d'idée comment je vais le faire vraiment, donc ça va nous demander un petit peu de réflexion. Et puis on verra où on en sera en termes de délai, mais peut-être qu'on s'arrêtera là pour notre saison 6 de l'Icube, ou alors peut-être qu'on partira sur... prolonger un petit peu le plaisir avec la cité volante, je ne sais pas. On verra. Ça dépendra des délais, ça dépendra du temps. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a un planning plutôt chargé. Je veux continuer le modé cube parce que je prends... Ah mais c'est pas là qu'il faut que j'aille, je suis bête. N'importe quoi. L'habitude. La statue de Mipha. Ah oui, ça c'est dans Zelda. J'ai la ref. Waouh, j'ai la ref. Incroyable. Après là sur les cubes, clairement, on est les derniers survivants. What? Ok. Je voudrais pas le dire, mais je vais le dire quand même. C'était méga dangereux ce qui s'est passé là. C'était méga dangereux. Voilà, on commence par un petit peu de terraforming. Il a la ref. J'ai la ref. Alors, si ma mémoire est bonne, donc il faut mettre le catalyseur. C'est ça, hein, c'était bien un catalyseur. Ça me manque, l'end.
L'end en tant que tel, non. Après, le projet de la saison 5 de l'E-Cube, ouais, ça marche. Je kiffais, hein, donc ouais, voilà. J'avais pas fini tout ce que j'aurais pu faire, donc... Oui, quelque part, ça me manque, mais... Allez, viens, des... Mes fusées. Exact. On est bon. C'est reparti. Si si, l'endstone peut se transformer, c'est juste que la bouse c'est plus rapide. À miner en fait, parce qu'en fait là je remplace les blocs parce que sinon ça fait des gros trous, puis à force de faire des gros trous les Enderman ils vont réussir à accéder à moi, donc c'est juste plus pratique d'avoir ramené un peu de blues pour faire ça en fait. Ils sont collants, mais là on aime bien qu'ils soient collants pour ce genre de farm, c'est même pour ça qu'on vient, parce qu'ils sont collants. Tatane. Bah vas-y, viens. Au lieu de râler là. Viens. Vas-y, coincé. Il s'excite, il s'excite, il vient pas. Et en plus, j'ai plus d'arc. Donc je peux pas le... Ah si, je peux lui tirer dessus peut-être. Ah oui, mais non. Ça va me TP. Pourquoi ils viennent pas? En plus j'ai pas de régène, donc faut que je fasse gaffe. Ah, attendez. Allez, venez. Voilà. Ça aurait été marrant si... Une mort marrante. Oui. Marrant pour vous, comme d'habitude. En fait, ça se ramasse vachement bien à la ou le Skulk Catalyst là. Je pense que j'en ai assez. J'en ai assez pour ce soir en tout cas. Et salut Augustin. Au fait, j'avais pas vu. Et tant mieux si c'est l'objet, enfin l'outil adéquat. Allez, go back home. Go back home. Ça bug un peu.
Youpi. Voilà. On est de retour. On est de retour. Alors. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Ah, j'en ai 13 des catalyseurs. Donc. Hop. On est good. Ça, ça va suffire. Le lit, j'en ai pas besoin, ça va prendre une place folle. Donc, salut Mimiche. Eh oui, de retour pour nous jouer un mauvais tour, exactement. Ouh, yes. PSVR2, nice. Moi, j'ai essayé le 1 uniquement à la Paris Games Week pour des petits jeux, des petites sessions. Et c'était assez impressionnant, je dois dire, comme technologie. Après y jouer tout le temps je sais pas mais ouais. Donc il nous faut quartz, il nous faut andésite, quartz, oh là, il nous faut tellement de matériaux. Comment ça va Mimiche? Ah ouais, en fait la profondoise, on en a plus tant que ça, hein. L'enclume, on la prendra à la fin, c'est pour tout en haut. Nope. La barre de fer. Oh là là, Enrod, on en a plus que 38. Pilier de quartz, je crois pas qu'il en faille. C'est surtout la calcite qu'il faut. Quartz ciselé. Faudrait qu'on en refasse. Hop. Ah, bloc de fer, très bien. Bon, ça c'est bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir refaire des barrières assez facilement. Diorite, on en a un petit peu. Un chouïa. Mais je me demande si la diorite, on en a pas. Un grand. Ouais, ouais, si c'est bon, la diorite, on a ce qu'il faut. La diorite, c'est bon. Journée de bureau, ça change la formation. Cool. Celui-ci avec deux écrans de 2K, ce qui fait de la 4K dans les yeux, ça prend des images claires. Ouais, non, non, mais il paraît qu'il est bien. Il paraît qu'il est bien ce casque, mais avec les avantages et les inconvénients de la VR, en fait. Donc ensuite, on a besoin de dalles de quartz. De quartz 10, je pense. Ouais, c'est ça, donc on a besoin des trappes en fer, j'en ai pris. Les N-Rods. Le lichen, faut que je prenne le lichen. Faut que je prenne les... Bah, j'en ai des dalles. Il me manque donc la base en andésite. Puis ça après. Je pense qu'on redescendra. Oh, nice, cool, Mimiche. Country classique ou pop? Voilà, comme ça je dirais classique. J'ai dit qu'il me fallait un peu d'andésite. Où est-ce que j'ai de l'andésite?
J'en ai de l'andésite, donc ça va bien. Mais j'en aurais pas assez, je pense pas. Donc on va en refaire. Nice. Et j'ai déjà plus de place dans mon inventaire. Pourquoi j'ai des chaudières? J'ai des chaudières parce qu'on a besoin tout en haut. Mais donc on redescendra. Salut Tim. Bienvenue à toi sur ce stream. Et sur cette chaîne. J'ai dit qu'il me fallait de l'andésite poli en fait. Ah oui, j'avais pas tilté. Bah oui, la boutique Lego de Nantes, oui, c'est pas la porte à côté, oui. Ah oui. Non mais c'est cool, Mimich. C'est génial. Qu'est-ce que je cherche? De l'andésite. Ouh, j'ai du mal. J'ai du mal. Voilà. Bon bah let's go. Let's go. Je lance la Oranakam, je fais pas comme la dernière fois. En même temps, j'ai tellement de timelapse en retard que je suis pas sûr de les faire un jour, mais qui sait? Qui sait? Donc ça, faut qu'on le casse. Ce n'est plus bon. Faut que j'aille reposer des trucs. Ah oui, Mimiche, ouais, je comprends. Après, ça te reviendra peut-être moins cher sur internet, surtout si tu n'as pas besoin de louer la voiture pour y aller, du coup, si t'enlèves les coûts de la location. Eh oui, toujours. Hop. Alors. Donc là, on avait fait ça à ce niveau-là. C'est ça qui est pénible dans le fait d'avoir tout son inventaire pris. C'est que dès que t'as un bloc de plus, je vais reposer. Tiens, là j'ai 5 de calcite en plus. Hop, pour avoir une petite marge. Rien à voir avec les Simpsons.
Donc on souhaite ça. Et après on grimpe. Ok. Ok, Mimich, donc du coup, c'est un. Un investissement plus réparti. En vrai, on aurait peut-être dû monter. On va peut-être monter toute la tour, je sais pas. Au moins jusque-là, peut-être. Et après, on verra. On va faire ça. Ah, j'ai pas pris le lichen. J'ai pas pris le lichen. Enfin, je retourne chercher le lichen. Évidemment, il fait nuit, quoi. Au moment où je commence à grimper. Bon, t'as vu Mimi, ça y est, Godot 4 est sorti. La version officielle. Bon, maintenant on n'a plus d'excuses pour essayer de convertir le projet, quoi. Mais j'avoue que j'ai très très peur de passer des heures sur la conversion, en fait. Alors, est-ce qu'on est à la bonne hauteur? On est à la bonne hauteur. Hop. J'ai mis quoi là? J'ai mis de l'andésite? Ah ouais. Ok. J'y pensais hier justement à la conversion Godot 3, Godot 4, ouais. Alors. C'est là où les Athéniens atteignirent. Pas ce bloc là. Ah si. Ah si si si. Il y a bien ce bloc là.
C'est juste par contre que c'est celui-là qu'il n'y a pas. Parce que le truc noir, il commence un bloc en dessous. Genre là. Si je comprends bien. Donc là, il y en a bien 3. 1, 2, 3. Et après. Ok. Donc 1, 2, 3. Et après, c'est comme ça. Dangereux. Donc ça, on viendra le faire par en dessous, avec échafaudage. Donc ensuite... Mais what? J'ai glissé. Bon, c'est pas grave, on va en profiter pour passer la nuit. Wap. On va prendre un peu de lichen. On en a à mettre. Et puis c'est bon, on y retourne. On va déjà, tiens, on va tout de suite mettre par en dessous, ce sera fait. De toute façon, il faut reconnaître que les choses vont beaucoup plus vite quand on sait déjà à quoi ça doit ressembler. Et qu'on a le modèle juste à côté. Donc, un bloc au-dessus. On doit être bon, là. Sauf que je l'ai pas mis au bon endroit, mais... Mais ça, c'est un détail. On est bon. Bonne nuit, Manves. Ouais, c'est ça. Voilà. Aïe.
Lichen. Merci beaucoup à Manotimo. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. 15e mois d'abonnement. 1 an et 3 mois. 1 an et 1 trimestre. Merci énormément pour le soutien. Merci beaucoup à Manotimo. Très généreux. Pourquoi j'ai sauté? C'est dangereux. Alors ici, comment est fichu le raccord? En fait, on voit pas bien. Mais les barrières sont cassées. Mais ça, par contre, c'est pas cassé. Ok. Donc maintenant, on peut reprendre justement les dalles. Et on peut les mettre. C'était plus rapide dans l'autre sens. Hop, mais ça va. Ah, dès qu'on a le modèle, ça va tout de suite plus vite. Donc après, c'est 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple, ne nous trompons pas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 avec la petite barre de fer juste au-dessus. Ensuite, c'est 1, 2, 3, 4. Et ça. Et fer. Fer. Et ça. Et c'est tous les deux. Hein. C'est ça. C'est bien ça. Je me... très mal en fait. Voilà, je vais descendre par là. Sinon, je vais pas durer longtemps.
Donc c'est good. Maintenant, je commence à mettre des Enrod ici. Allez, sauf que l'Enrod, elle me barre le passage. Donc on va faire ça. Donc là, il n'y en a pas. Là, il y en a. Ensuite, il nous reste à mettre les dalles, pas les dalles, les trappes. Et on a fini. Ou presque. Ça va vite hein, quand on a le modèle. Il nous reste juste la petite partie là, ici, à refaire. Donc on va y aller par en dessous avec échafaudage. Et ça va vite. Ça va très vite. Tant mieux. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'allait pas. On va aller régène. Ouch. Faut aller loin pour régène, dis donc, ils ont déplacé les beacons. J'ai raté mon saut dans le lit. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Creeper. Alors.
Où est-il? Où est-il, ce petit salopio? Il n'a pas vu des spawns. Il s'est planqué. Il s'est planqué pour mieux nous surprendre. Petite futaie. C'est fou ça. C'est ce qu'on dit, un creeper de perdu, 10 de retrouvé. Quand je pense au temps qu'il a fallu pour concevoir ce truc, et que là, en un quart d'heure, on l'a reproduit, quoi. Mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, mais... Mais c'est là qu'on s'en rend compte, en fait. À quel point la réflexion a été longue pour la quantité de matériaux de blocs posés au final. Alors, je me demande si on n'est pas arrivé à la bonne hauteur. On est arrivé à la bonne hauteur. On arrive à la bonne hauteur. Ok. Et on a deux seulement. Voilà. Et en fait, on a déjà l'arche de d'Andésite qui commence. Je me demande si elle commence pas un bloc plus bas même. Non, elle commence là. Ok, très bien. Ça fait un côté un petit peu Sainte-Sophie, non? Comme des minarets. Salut Ultimate, comment ça va?
Donc là, on passe à 2. Et faut que j'aille rechercher du matos. Salut, téléphone maison. Alors, on va reprendre un peu de tout. Calcite. Week-end, c'est bon. Barreau de fer 15. Je pense qu'on va en refaire. Et muré dans des sites, ça ouais, faut peut-être en refaire. Bah, j'en ai. Impeccable. Projet de 500 sur 500. On est qu'au début. C'est pas mal, 500 sur 500 déjà. Et quel est le thème? C'est ça. Donc là, après, c'est 2. Et après, c'est 1. Ah, ce changement de hitbox, je ne m'y ferai jamais. The Last Guardian avec un côté futuriste tout en bas de la tour centrale et suivi en survie, ce qui est très long. Ok. Ah, j'ai raté. Je crois que je suis pas mal là. Mais non, c'est pas ça que je voulais couper, c'était ça. Alors ensuite. Donc ici, on doit avoir. C'est ça.
Et donc là on monte que de 3 pour faire un peu plus petit qu'en bas. Casse les pattes. J'ai pas le bon timing, j'essaye hein, de poser le bloc sous mes pieds, mais... C'est rigolo, ça fait un escalier montable. Je me suis trompé. Qu'en fait là il y en a pas. Donc du coup ça ne commence que ici. Et là on est bon. Du coup deuxième arche finie. Parfait. Il ne reste plus qu'à monter la tour. Ah merde, il y a du vol de ressources. C'est pas cool ça.
Bonne nuit. Bonne nuit, Ultimate Tricot. À bientôt. Merde, j'ai jeté un truc. Mais fait tromper touche. Donc ça doit être encore un bloc au-dessus. C'est bon. Donc après, il faut que j'aille chercher des matériaux. Parce que ça, c'est pas du quartz lisse. Et moi, j'ai que du quartz lisse. Ah, j'ai oublié de mettre le lichen. Faut voir ce que ça va donner, mais ça se trouve sans les diagonales ça va faire bizarre. Je sais pas. Puis en fait, en vrai, j'aurais dû les faire légèrement en diagonale pour que ce soit parfaitement dans l'esprit du cercle, donc je sais pas. Faut voir ce que ça va donner quand elle les aura tous fait, mais pour l'instant, je trouve que c'est bien. J'aime beaucoup. Alors, allons chercher le matos. Rationalisons un peu. Qu'est-ce qu'on peut rationaliser? Pas grand-chose. On a de la stone quand même, pierre. On a de la pierre lisse. Très loin, 5 mètres. Là c'est mieux. Ok. Donc on peut tout à fait en préparer pour la suite. Sans que ça nous prenne un emplacement de plus. C'est peut-être les dalles d'andésite qu'on peut reposer. Et donc... Durée, de toute façon, il va nous en falloir plus que ça.
Bloc de quartz. Donc, quartz, est-ce que j'en ai déjà du tout fait? Est-ce qu'il y a du quartz? Voilà, ça suffit. Ensuite, il nous faut des piliers de quartz. J'en ai. Il nous faut du lichen, je peux en prendre plus. Il nous faut un peu de corail. Il nous faut une enclume. Où l'ai-je posé mon enclume? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? De l'eau. Ah, il nous faut des dalles de quartz. Ah bah j'en ai pas, des dalles pas lisses en fait. J'en ai pas. Et de l'eau. En fait, pourquoi j'ai des flèches sur moi alors que j'ai pas d'arc? Can you tell me? Et donc j'ai dit qu'il me fallait de l'eau. Parfait, j'essaie de pas mettre de l'eau partout. Ok, ensuite. Pilier, pilier. Trappe en fer, trappe en fer. Un petit coup de debug stick. Hop. Une enclume. Oh oui. Hop. Et deuxième arche terminée. Ta-da! Nice.
Yes. Bon, pour la beauté du truc, on va faire tout de suite la symétrie ici, avant de faire les arches un peu plus isolées. On va faire tout de suite la symétrie là. Alors, deux sas finis dans la zone de l'élévateur à Rover. Oh, ça me rappelle des choses, Brickman. Bonne nuit, Mimi. Bon courage. À bientôt. Donc il me faut plus de murets. Donc pour l'instant je vais reposer les escaliers de quartz, les piliers de quartz et les dalles de quartz. Pour prendre plus de diorite. Ah mais j'en ai... Oh trop bien. J'avais peur mais j'en ai des barres de l'end. Super. Ok. Va refaire quelques escaliers en andésite. J'ai pas fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça revient même. Alors là par contre il faut que je fasse attention à prendre la bonne distance pour la base. C'est joli. J'aime assez. Alors, on est à combien de blocs d'écart? Quinze, 16. Mais j'ai peut-être compté le bloc là, donc 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Ouais, 15. Alors, au fait, Oran, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai continué l'étage moins 1 de la base en créant un couloir qui donne la vue sur l'espace qui finit dans le grand hangar sur des passerelles métal. Cool, mais tu fais bien de prolonger ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, donc... Fuck. Le voilà le creeper quoi. Voilà, j'étais à 22, je suis à 23. Super. Super.
Il m'a bien explosé à la figure. Ah oui, c'est parce que j'ai récupéré de la neige à la noix en plus. Flûte. Je pourrais peut-être poser la houe, d'ailleurs, j'en ai pas besoin forcément. Ok, donc il me faut pour réparer un bloc comme ça, de la durite polie. Ici. Je crois que c'est tout. Je suis content, il n'a pas pété le corail. Voilà, c'est réparé. Il m'a bien explosé pile sur moi, quoi. Bon, reprenons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 12, 13, 14, 15. Donc c'est bien ce que je pensais avant que le creeper ne m'explose à la figure. C'est là. Mais par contre, pour être aligné, en vrai, c'est là. Eh non, Brickman. Mais j'étais allé. J'avais donné. Des diamants, je crois. Je sais plus. Oui. Alors. Ok. Donc, il nous faut le quartz ciselé. Hop. Et là, je peux directement commencer. Comme ceci. Et après c'est calcite.
Il va falloir qu'on coupe cet arbre. Et évidemment, j'ai posé ma hache parce que je m'étais dit que je me servais pas de ma hache. Oui, j'ai fait le kangourou, ouais. Ah moi, bah si j'avais essayé le touch. Ah, pourquoi je vais pas récupérer? Bon. Si je vais adopter un animal, des animaux fantastiques dans la vraie vie. Celui qui ramène des sous là. Le sniffler. Un truc comme ça là. Le nifleur, voilà, pas le sniffleur, le nifleur. Ok. Allez, encore deux blocs et c'est bon. Le beau truc, c'est lequel? Je me souviens plus.
Le petit être de bois. Ah oui, d'accord, ok. Celui qui se planque dans la poche. 1, 2, 3, c'est ça. Après, c'est 1, 2, 1, 2. Ok. Mais par contre, est-ce que c'est un au-dessus? Oui, c'est ça, c'est un au-dessus de l'andésite. Donc on est bon. D'une pipe. Y a des squelettes qui traînent dans la forêt. Après le coup que nous a fait le creeper. Donc on fera cette partie-là et cette partie-là en partant du bas. Donc maintenant on peut rajouter le skulk. On va rajouter le lichen tout de suite avant que j'oublie. D'accord, Rickman. Ok.
dalle de quartz. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur l'écube quand je pense que je suis mouru. La honte. Je crois que c'est 5. C'est bien 5. La tête de passage ne serait pas devenue un crâne de squelette. À force de ne pas jouer, comment ça à force de ne pas jouer? Alors. Ah d'accord, mais moi j'ai démarré Minecraft. Enfin, je joue tout plusieurs fois par semaine à Minecraft. Donc on est good, on peut continuer à construire le pilier central.
Non, là, je me suis pas inspiré de Battlestar Galactica. Là, pour les piliers, je suis allé regarder des gravures de d'arc-boutants gothiques sur des cathédrales gothiques. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais non. Vérifie que je fais pas d'erreur. Eh ben si. Hop. J'ai plus laquelle site. Hop, allons rechercher. Puis au passage, on va refaire un petit peu de. De diorite. Mais j'en ai vraiment plus beaucoup. Par contre, on va y en chercher. On va aller voir tout de suite. J'espère qu'il y a des shulkers de diorite qui traînent. C'est gentil, Brickman. Oula, il y a eu du ménage de fait. Il y a eu du ménage par le vide. Ah oui, je me rappelle, oui, c'est. Oui.
Alps a remplacé les coffres par des tonneaux qui prennent moins de, qui font moins laguer. Alors après, Brickman, je te remercie, je prends ça comme un compliment, mais en fait, déjà, c'est pas la quantité qui compte. Et puis, moi, je suis très très content d'avoir déjà une quarantaine de personnes sur mes streams, c'est déjà très bien. Et 200, je serais très très content aussi, hein, mais déjà 40, c'est bien sur les streams Minecraft. Et tu as raison, sur les autres streams, il y a moins de personnes, mais c'est tout à fait normal parce que c'est pas ma. Les gens qui follow ma chaîne, a priori, la grande majorité, ils sont là pour voir du Minecraft. Pas que maintenant, parce que ça fait un petit moment que je diversifie, mais quand même, la majorité des gens sont là pour voir du Minecraft. Donc c'est normal que quand je propose autre chose, surtout des jeux moins créatifs, parce que au-delà de Minecraft, ce que les gens apprécient, je pense, voir, c'est ce que je peux créer en fait. Et du coup, bah, sur un jeu comme Zelda, il n'y a pas de création, c'est juste me voir jouer et fail. Donc bon. Ça n'a que peu d'intérêt aux yeux de pas mal de gens qui ont follow la chaîne pour autre chose, qui ont follow la chaîne pour mes créations sur Minecraft, pour mes. Pour mon développement, mon projet Astroterre. Sur KSP, c'est un peu différent. KSP, c'est un jeu qui vient de sortir. J'avais joué au 1, donc il y a certains viewers qui sont habitués, entre guillemets, à me voir jouer dessus. Mais c'est pas un jeu vraiment créatif pour l'instant, en tout cas en mode bac à sable. Il y a assez peu d'enjeux, il n'y a pas de sauvegarde permanente. On va pas se lancer dans des projets énormes parce que c'est un peu buggé. Et c'est très très loin de Minecraft, donc je comprends qu'il n'y ait pas grand monde et c'est pas gênant en soi. Et oui, malheureusement, mes chats sont peu actifs, Brickman. Mais c'est parce que moi-même, je suis assez calme, quoi. Il me semblait bien que Charivari n'était pas parti. Non, j'ai glissé encore. Un truc chelou là. Non? Hey, coucou, Taria Skip! Oh, tu joues à Zelda en parallèle. Nice, Charivari. Hey, ça fait un petit moment, Taria Skip, ça fait plaisir. Oh, par contre, ce qui fait moins plaisir, c'est d'avoir fini la tasse de thé.
Bah ça va très bien et toi? Non, mais elle a pas mal de SU, ma cité volante, t'inquiète. Y a pas de soucis, t'as pas besoin de te justifier ou t'as rien à skip, hein. Ça fait plaisir de te voir. C'est tout. Alors, hop. Bonne nuit, Nires, merci beaucoup. Salut Zedarka! Ah bah sûrement, sûrement Brickman. Bon, j'ai plus de barrière en fer, faut que j'aille recrafter. Comment va? Bah ça va très très bien, je suis très content de revenir sur Holicube pour une petite session cette semaine. Et on avance bien. Impeccable. Par contre, je vois l'heure qu'il est et le temps qu'on finisse, je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire le troisième. Alors, je suis dégoûté. J'aurais bien aimé faire au moins la symétrie, mais je voudrais être raisonnable parce que je voudrais me coucher pas trop tard. C'est peut-être un chat susceptible, effectivement. Oups. Et donc en vrai, ici, c'est pas comme ça. C'est comme ça.
Et donc. Et coucou les veines. Je regardais Prince of Persia, les sables du temps, les streams en fond. Et bah, coucou à toi. J'espère que c'était bien, Prince of Persia, du coup. Donc je dirais encore un bloc. Salut Grimmy, comment ça va? Bah ça va, ça va, ça va, impeccable. Bon alors tu t'es jeté sur, sur Godot. Il n'y a pas dans des hits en fait. Il n'y a pas dans des hits. Par contre j'ai plus Pierre Lys et ça c'est bien dommage. Même pas, j'ai pas eu le temps. Salut Thorazus. Bon, faut que j'aille chercher des dalles. Ah tiens, ce que je peux faire avant d'aller chercher des dalles, c'est mettre ceci. Tiens, on va les régénérer. Merci Thorazus pour le plaisir de la musique, mais bien sûr, merci beaucoup, c'est très généreux. J'ai failli me cracher en plein vol pour faire la danse de la musique quand même. Hein. Et vu le nombre de cœurs qui me restent, j'ai préféré assurer le coup quand même. C'était extrêmement dangereux. En tout cas, énorme merci. Deuxième mois de sub, tu gagnes ton enclume de cuivre, si je dis pas de bêtises. GG à toi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire le plein pour tout de suite faire le haut en fait. Donc, reprendre un peu d'eau. J'ai de la terre, j'ai de la terre. J'ai ça, donc on va reposer la calcite, j'en ai besoin d'un petit peu mais pas tant que ça pour finir cette pile. J'ai besoin par contre, où est-ce que j'ai foutu les escaliers? Pas. Et c'est lucide. Il reste qui d'actif sur Holicube? Alps, Boîte à Meux, Roi Louis, Z, Leto. Je crois que c'est à peu près tout. S'il y a Max qui s'est connecté tout à l'heure, Goldown aussi qui finit son projet, je crois que c'est tout. J'ai besoin de dalles en quartz, j'ai besoin de piliers de quartz, j'ai besoin d'enclume. Et là, je crois qu'on est bon. On est à la saison 6.
encore un bloc. Et on doit être bon. Eh ben, bonne soirée à toi, Brickman. Profite bien de ton casque VR demain. Et puis tu nous diras un petit peu ce que tu en penses du coup de ce PlayStation VR 2. Non, 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 il n'y reste, il y a plus de shop fonctionnel. Soit je farm moi-même. Tout à l'heure là, j'ai l'impression que je suis trop haut. Ouais, on est d'accord, je suis un bloc trop haut. Ouais, je suis un bloc trop haut. Mais sinon, la plupart des blocs, je les récupère grâce à Alps. Ah, mon escalier. Et non. Je me suis trompé de bouton. Ça a l'air d'être mieux. Non, cette saison NRS, j'ai fait zéro boutique. La saison précédente, j'en avais fait une avec mes blocs de land, mais ça se vendait pas. Bon, après, je m'attendais pas à en vendre beaucoup. Puis surtout, j'avais fait la bourse pour le côté RP en fait. Et je m'étais beaucoup amusé avec la bourse. Mais la saison dernière, je m'étais vraiment concentré sur ma base que j'avais fait en grande partie en créatif avec Lightmatica pour le faire en survie, et j'avais peut-être eu moins de projets annexes que cette saison, je ne sais pas, parce que cette saison il y a eu Covid Cube, il y a eu est-ce qu'il y a eu FTP aussi? Non, FTP c'était avant, non? Ah, je sais plus, FTP c'est tombé pendant la saison. Tombé quand FTP? Est-ce que c'est tombé pendant la saison 6? J'ai un doute. Non, je crois pas, je crois que c'était avant FTP. C'était avant. Mais moi-même, j'ai joué sur Ormland. Donc ouais, j'ai peut-être fait un peu moins de stream sur HolyCube saison 6 que sur HolyCube saison 5. En même temps, c'est facile à voir. Il suffit d'aller sur les playlists et de voir combien j'ai de stream sur... de rediff de stream sur HolyCube saison 5 et combien j'en ai... Pour l'instant, c'est pas fini, mais... Ça donnera un ordre d'idée. Hop. Alors, on n'a pas fini. Il nous reste les deux raccords à faire ici. Alors. On a 1, 2, 3, 1, et puis là... Voilà, ce raccord-là, il est fait. On va aller dormir pour éviter un autre creeper qui pourrait nous tuer. J'avais pas dit que j'irais régène, et j'ai oublié d'aller régène.
On va régénérer avant qu'un malheur ne survienne. Ouais, ça rend bien. Ça élargit bien la base tout en restant très aéré. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Est-ce que je vais avoir assez de bloc 1, 2, 3, 4. On va prendre une petite marge de sécurité avant de grimper parce que je suis pas sûr d'en avoir assez. Il suffit que j'en fasse tomber. Ça, par contre, c'est bon. Alors, comment c'est fichu? Comment c'est fichu? Donc, si ma mémoire est bonne, ici il y a un bloc à péter. Pour pouvoir mettre ça comme ça. Voilà. On est bon. Ah, j'allais dire ici c'est cassé, bah oui, mais ici il faudra qu'on fasse le pilier. J'ai oublié un peu de... Non, je vais pas oublier de... Non, c'est bon. Ça rend bien. Ça rend très bien. Bon bah finalement ce soir on n'aura fait que deux. Mais comme il est déjà 23h30, je vais pas me lancer dans un troisième. Il faut à peu près 3 quarts d'heure pour en faire un. Donc on en a fait 3, il nous en reste 1, 2, 3. On a fait la moitié. Il nous en reste 3 à faire. Sachant qu'il va falloir qu'on aille rechercher du matos, notamment la profondoise. J'espère qu'on en a en stock. Je vais couper le timelapse. Hop. Voilà.
C'est un mode pour avoir les FPS, c'est un mode de Luxos. C'est stylé, j'aime beaucoup cette vue. J'aime beaucoup cette vue. Allez, du coup, on va se quitter là-dessus. J'espère qu'il n'y a aucun creeper qui va venir. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné ce soir sur Holycube. Ça fait extrêmement plaisir. Parce que vraiment, Holycube, enfin, voilà quoi, le projet de fou de la zone gothique est vraiment extraordinaire. Donc, j'ai clairement envie de finir notre temple. Demain soir, on se retrouve sur Zelda Breath of the Wild. Vendredi sur AstroTerre, parce que samedi, il n'y aura pas de stream. Donc tout est un petit peu décalé. Voilà, donc le prochain stream sur Holycube, ce sera la semaine prochaine. Mais je ne sais pas quel jour, c'est un petit peu volant. On s'adapte un petit peu. Ce sera peut-être, remarquez, ce sera peut-être un petit peu comme cette semaine, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tous les subs. Il y en a eu beaucoup ce soir. Merci énormément. Merci pour les follow et la modération. Et puis, rendez-vous demain soir pour Zelda Breath of the Wild chez les Zora. Bonne nuit. Ah oui, alors attendez, on fait un raid quand même. Attendez, 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 attendez. On fait un petit raid. Alors, on a qui est en raid? On a Mapper qui fait du GeoGuessr. Tatata, un as de pique qui fait du truc. On a Lililou. Allez, je vais faire. C'est rare. Je vais faire un raid chez Lililou parce qu'elle m'a déjà raid. Et donc, hop, je lui rends l'appareil. Voilà, elle est sur du Minecraft en plus, alors que les autres personnes que j'étais susceptible de raid n'étaient pas sur Minecraft. Donc, elle fait un hardcore challenge. Oh. Allez, je vous laisse en sa compagnie. Et puis, je vous dis rendez-vous demain soir pour Zelda Breath of the Wild. Ciao, ciao, ciao.